OpTV, nouvelle direction, nouvel horizon. Je vous l'avais dit, nous sommes 2014, l'innovation est au point. L'invité d'aujourd'hui n'a plus besoin de présentation. Présent depuis la fin des années 90, il a fait son chemin aujourd'hui. Il move en carrière solo. Gaston, a.k.a. Bandy Mike, a.k.a. Bison, Liwon, Mwele, Taï. Tout simplement le laisser dire bonjour à tout le monde. Gaston, nous sommes là. Wow, sante serigne touba bu baakha baakha baax. Ñu lay sante way dañu lay nuyu. Di le bégué bu baakha baax. Re bégué. Mais alors, comment tu vas? Est-ce que ça va? Yaangi cool. Wa moy luma jittal ak alhamdullilah ma ngi sante ala kulli hal. Lu ñew rek sante. Moy li omzo di wax jappé laaf bi ni muy diké. Kessé. Wa. Ay wa bok. Alors Gaston, vite fait, li ñu bëggon xam rek moy bala ñi tamalé moy pourquoi vous faites ce long silence ak ba nga raade ba légui ñëp xam nañu bon déllu ci bi xam nga li gëna fess ci li tax nga déllu ci Dakar bokku na ci ñëw jappalé sa frère Simon ci événement bi exceptionnel bu mu def Grand Théâtre il y a pas longtemps mais est-ce que amna leneen lu nekk ci ginnaw pourquoi période bi pourquoi légui pourquoi lan exactement pourquoi ce retour bi au Sénégal fi déllu ci après ce long silence quoi wa moy kon ni nga waxe rek retour bi boy xol li ko gëna marqué moy sortie album Simo bi mu def Sarano donc derul sax ñu dugg ci détail parce que ñepp xam nañ sama digënté ak Simo donc normalement mars la waron ñëw donc mu woma né ma que man may invité d'honneur grand théâtre bi donc ma waron me repousser sama ñëw OK donc bëss bu mag la donc mënu ñu woon ñu dul téw pour jëmmal ba bëss bi mais aussi tam bañ fi téwé aussi amna yenen bagage yi gëna yaatu ñu ñu tombé mu tombé autre fois yi donc gaay namon nañ Gaston c'est très normal nga to accompagné hip hop biz bi voilà donc ba mu jeex après nga mëna replier wu quoi OK donc le grand théâtre bon comme ni nga waxé légui Simon défon na la invité d'honneur gissone nañu public bobu parce que affaire bobu déjà challenge bu reuy la won ñi nan mëna né ñi nan mënul né xam nga haters yi di wax xam nga rumeur yi di daw et tout yow yaangi fo won tu as fait une très belle prestation machallah bu féké nañu ko mëna may ci kanam sax ñu xol ko nan nga dundé kéro waaw kéro dama ko dundé mbékté bu yaatu la mais bétuma tu vois bétuma dans la mesure où peut-être ki ku xam dembu Simon ak fi mu tambalé ak limu baye yep ba ñew tek jollof for life ak tamit ligéy bu djégo bu mag bu mu su def ak groupe yi mu génné ci underground menen loxo ak underground yi mu tourné lo ba ñu bari xam len donc ku xam lolu yep donc bëss manam bëss bi ni mu jëmmo dula jaar parce que mo ñu ñuy wax rek choono du rër c'est-à-dire limu am kérok nekul lo xamné lu ko bét la sax mom personnellement parce que peut-être ñepp xamone nañ ni que man personnellement bien avant que affaire bi di ñew néwon na len affaire bi dina sut sen jort parce que tamit quelque part luñu mëna wax rek moy lu mu ligéy la pas juste ci côté artistiquement mais boy xol bëss bi ci côté communication ci côté ñi nga xamné ñoo japp ci bëss organisation donc lolu yépp ñor na parce que yag na commencé di def ay concert yu ndaw ak orange et tout donc jangale ci bam expérience donc xamné bu démé ba laaj grand théâtre c'est parce que parné pour laaj ko et la preuve karok lu mu fa wone ak li fa gaay ñëwé ak communication bi nek derrière yépp donc firlé nako quoi donc man personnellement bettuma quoi OK that's what it is. Alors Gaston aka Bandy Mike alias Bison tay vu li nga xamantene jot nga ko parcourir yépp lan moy sa détermination tay sama ñëw bi amul lenn lo xamné lu ma ci bett la yangone blé djagne gaay dañ doon rap son yi début ba fin c'est comme si ko musuma fi jogé tu vois certes bama démé amone na ben polémique bu mak bo xamné amone na si pourquoi Gaston dem pourquoi mu tok mais man limay wax rek moy lolu c'est significatif au fait le fait que man ma dem mu am ben polémique bu mak derrière pourquoi mu dem tok c'est significatif dans la mesure où ñaata artiste ñoo genn dem Sénégal té public bi sax yégul ni ñoo genn nañ donc yow bo démé ba genn mu am ben polémique bu mak bu am derrière c'est parce que day wone rek ne que nit ñi ñu ngi bayyi xel sa ligéy day wone aussi poids bi ngay représenter si mouvement bi et puis tamit si bir dem bi tam dafa am ñaari dem dafa am absence physique ak absence artistique peut-être absence physique bi mën nañ ko wax OK durant ces 2 ans physiquement j'étais pas là physiquement présent au moment du concert yi mais artistiquement j'étais présent dans la mesure très présent dans la mesure bayna nañ ben album 21 titres bo xamné mo jël meilleur album entre-temps j'ai sorti 4 singles jump up la foi violent ak mujadit OK ak 2 vidéos donc je pense que amna ño xamné sax ils étaient là man malen gënon présent artistiquement OK té likay findal bo ñëw ci concert day gis c'est comme si ko musuma fi joggé donc lolu ligéy lek la moy touti wax job lu bari kessé touti wax job lu bari yeah ci kaw ci kanam alors tay bu ñuy xol say début c'était Gaston punchline Gaston technique
Gaston lyrics donc c'était le Gaston bi nga xamantene da nga djégé won ce public trop vu li nga xamantene mom la gaay do déglu ci li nga xamantene mom nga don jox gaay quoi est-ce que moy vu lol non yépp kan moy Gaston bi ma togal ni tay wa Gaston bi moy Gaston bi nga xamné tet wa fi mu commencé ba tay expérience yoyu mu dajalé ci durant 3 albums yoyep moy Gaston bu tay bi tax dina fenc 4ème album bi moy nima la kay waxé rek dafa am ben cadeau bu am solo bo xamné malal da kay faral di wax wa mune li am solo deug deug moy exister tanam lu new la ci hip hop calcène c'est-à-dire savoir exister comme Jay-Z nous existait comme Nas nous existait tu vois amnay groupe yi beur yo don deug ay Fouche Sneakers ay Daz FX deugou to len pas présent même si fekkene meun na luñu dafa tay mais Nas nous présent wé est-ce que ñoñu présent nañ ko non Gaston dafa présent ba tay ci bamu commencé rap ba tay manam do meussa dégg mo génné ben son nga gis ni level bi dafa wacc il est toujours là donc lolu du lenn ludul likay maye moy nga dexeñu ci underground bi job parce que gaay dañu yakamti c'est mo li ngeen waxtane demb quoi ñun soy xol suñu premier album suñu premier maquette ñu ko défé won face de l'orme ci ben grand bu tuddu Malik bo xamné ci ben négu barak la nékkon am ben radio bo xamné mo doon diffuser face de l'orme bi yépp bo waron def maquette da ngay ñew ci barak bi tok mu tégal la ben micro té cassette chromé bu né hop ngeen départ live lay ndek ngeen enregistrer dougal suñu premier est ce ko nga donc ku commencé fofu dem wara def maquette dem di dem ba ay sa musique di outil cassette instrumental 1500 chromé jaar fofu yépp gis nga lèr dang ci sonu koko mënul bok ak nga xamné tay dafa judd rek fekk logiciel tout est digital xamné da ngay ñew bu la nexé sax nga drop par phrase tu vois donc mënul bok